C'est peut-être ici que Max habite. Alors je rentre. Ah, salut Max. Salut Cole, ça va? Ça va. T'as entendu parler de cette histoire de Borat, le loup-garou qui se trimballe le jour et la nuit? J'y crois pas une seule seconde. Bon, je conduis, hein, parce que toi, laisse tomber. La 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 la. Ça doit être quelque part par ici, hein. Bon, on est arrivé. Alors, t'y vas? Ouais, j'y vais. Bon, je vais faire quelques courses en attendant, hein. Je rentre. N'importe quoi cette histoire. Ah, c'est pas possible! Mais dites-moi que je rêve! Tiens, je vais t'avoir, tiens, prends ça! Bon, je t'ai bien eu, hein. Un pistolet, avec un loup-garou qui aurait pu croire ça. Bon, examinons ça un peu de plus près. Oui, ouais, bah il est bien mort celui-là. Allez hop, c'est bon. Colt, qu'est-ce que tu fous par terre? Non, il est sûrement tombé sur ce satané loup-garou. Je l'aurai un jour. Borat, je t'aurai. Oh non, tant pis si je m'assois sur des piquants, j'en ai rien à faire. Après tout, il me devait 10 dollars. Ok, c'était mon meilleur pote. Mais quand même, 10 dollars! Trop dans ma petite tête! Lui par terre! Et 10 dollars!